Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le serveur Skypot. Donc, tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai un bon ami à moi, Slider, qui s'est fait dégrank inutilement, etc. Et ensuite, le fondateur du serveur est venu lui cracher dans le dos. Via l'intermédiaire d'une chaîne YouTube appartenant à un joueur se nommant Tanzu. Donc tout d'abord, je vais vous montrer, on peut vraiment voir que le serveur il est vraiment fait pour l'argent. Il justifie aussi son envie de faire un serveur par la passion, mais aussi par l'argent. On va pas trop se moquer de moi en disant que c'est en grande partie pour la passion. Il me dit, ouais, j'ai déjà 50 euros sur 20 euros sur mon compte et j'aimerais bien aller à peu près à 50 euros et tout, donc c'est pour ça que je me demande. Non, bah c'est vrai, j'avoue que j'aimerais bien être un peu récompensé aussi. Parce que... Mais Ouais, ouais, mais c'est il est vrai, bien c'est fait, vrai. mais même qu'il soit mal fait ou bien fait, on le fait quand même pour la thune, quoi. Bah, un peu des deux, tu vois. Mais je suis pour la passion. En plus, on peut voir que les modos ils sont super compétents parce que bah tout simplement ils respectent beaucoup leurs joueurs. En gros, tout ça pour vous dire, les gars, que depuis le début, c'est Walia qui vous manipule. Si vous croyez encore au serveur, bah, tant mieux pour vous. Continuez comme ça. Moi, je vous dis, il pense qu'à l'argent. On a plusieurs, enfin, on a pas mal de screens. Je vais pas tous les mettre parce que la vidéo va durer 10 ans. Mais bon, là, j'ai déjà mis quelques preuves à l'appui. S'il faut, je vais refaire une deuxième vidéo. Mais voilà, c'est Walia qui vous manipule depuis le début et vous pensez ce que vous voulez, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Neoz. Et pensez bien à ce qu'est réellement le serveur skypod.eu. Peace.